bienvenue sur la chaîne YouTube de chien.fr. Je suis Lila et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la race du bulldog français en compagnie d'Intense, Nono et Gavroche. Le bulldog français, également appelé Frenchie par les amoureux de la race, serait apparu à Paris vers les années 1870 et proviendrait du croisement d'un bulldog anglais et d'un petit ratier. Ce mélange lui aurait donné sa morphologie si particulière, ainsi que ses capacités de chien de garde et de chasseur de nuisibles pour lesquels il était alors utilisé. Compagnon favori des marchands et des bouchers du Vieux Paris, dont il défend farouchement les entrepôts, on le croise régulièrement aux abattoirs de la Villette. Son caractère sympathique séduit rapidement les notables de l'époque. Il devient alors un véritable chien de compagnie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le premier club de race est fondé en 1880 et son standard est établi pour la première fois en 1898. Quasiment inchangé depuis cette date, il séduit toujours autant pour son caractère en or. Le bulldog français est un molossoïde de petite taille, mesurant entre 24 et 35 cm au garrot selon le sexe. Son corps doit être trapu et puissant, son cou, son dos et sa poitrine sont larges et musclés. Son poids varie entre 8 et 14 kg selon l'individu. Sa queue est naturellement courte, sa tête très caractéristique doit être forte, large et carrée. Sa face est camuse, c'est-à-dire aplatie, présentant des plis et des rides. Ses yeux doivent être grands, ronds, foncés et expressifs. Ses oreilles sont portées hautes et droites. Ses poils sont ras et ne présentent aucun sous-poil. Le bulldog français peut être de couleur fauve, plus ou moins foncée, ou bringée, avec ou sans panache blanche. Il peut également présenter ses deux robes sous forme de taches sur un fond blanc dominant. Dans ce cas-là, on parle de robe caille fauve ou caille bringée. Le bulldog français est un chien au tempérament enjoué. Doué joueur, il est le compagnon idéal pour toute la famille. Gentil et affectueux, il convient aussi bien aux enfants en bas âge qu'aux personnes âgées. Calme et peu aboyeur, il s'adaptera parfaitement à une vie en appartement. Il apprécie cependant particulièrement les longues balades qui lui permettront d'entretenir son corps musclé. Véritable chien de compagnie, c'est une race extrêmement dépendante et proche de l'homme qui aura besoin d'apprendre à rester seul dès son plus jeune âge. Son caractère facétieux et son envie constante de plaire à ses maîtres faciliteront grandement son éducation. Le bulldog français a une espérance de vie d'environ 13 ans. Plutôt facile d'entretien, sa peau particulièrement sensible nécessite cependant quelques soins réguliers. En effet, les plis et rides au niveau de sa face doivent être régulièrement nettoyés à l'aide d'un sérum physiologique et hydraté. En revanche, son poil ras ne requiert aucun entretien particulier, si ce n'est un simple coup de brosse régulier afin d'éliminer les poils et les peaux mortes. Il est également nécessaire de vérifier la longueur de ses griffes et de les lui tailler si besoin, et d'entretenir ses yeux, ses oreilles et ses dents avec des produits adaptés. Comme tous les chiens, il doit recevoir une ration quotidienne de nourriture en fonction de son âge, son poids et son activité physique. Enfin, il doit être pucé, suivi par un vétérinaire, être à jour de ses vaccins et traité régulièrement contre les parasites externes et internes. Comme tous les chiens de race, le bulldog français est susceptible d'être sujet à plusieurs problèmes de santé bien définis. Au même titre que ses congénères brachycéphales, il est sujet à d'importantes difficultés respiratoires, notamment en période de forte chaleur. Il est donc fortement déconseillé de lui faire faire de l'exercice intensif, comme un jogging par exemple. Enfin, il peut également souffrir d'hernie discale, il est donc important de veiller à son alimentation afin d'éviter tout risque d'obésité. Pour éviter ce genre de problème, il est nécessaire de faire appel à un éleveur de qualité, reproduisant avec des chiens exempts de toute tare héréditaire et d'effectuer régulièrement un suivi vétérinaire.
éleveuse de bulldog français sous l'affix de l'or noir de Paris, dépeint sa race de cœur comme un petit chien courageux, joueur et intelligent, bref, un vrai petit clown qui égayera le quotidien de son entourage. Elle met tout de même en garde les futurs acquéreurs, son énergie débordante, son caractère bien trempé et sa santé délicate n'en font pas le chien de monsieur et madame tout le monde. Pour autant, elle le considère comme un compagnon exceptionnel pour toute la famille, pour lequel la présence de ses maîtres sera la vraie clé du bonheur. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir un peu plus cette sympathique race qu'est le bulldog français. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur chien.fr.